Les gars, sortez tous les extincteurs parce que là, ça va chauffer. Regardez, j'ai appris à faire une rondade parfaite. Regardez, et hop. Oh non, Bruno. Quoi? Le livreur est passé? Non, il est pas passé. C'est-à-dire, il n'est pas passé? Seulement toi t'es passé, le livreur n'est pas passé. Eh, qu'est-ce qu'il devait apporter? Mais si, bien sûr qu'il est passé, connard. Tu ne l'as pas vu apporter cette boîte que j'ai commandée? Et je l'ai commandée, vous savez où? Et dans cette boîte, il y a quelque chose d'incroyable. Écoute Alina, en fait, je sais pas vraiment où tu commandes tous ces trucs. C'est dingue. Tu pourrais peut-être m'expliquer? Ben, ceux qui ne savent pas, c'est leur problème. Et dans cette boîte, il y a quelque chose de trop cool et d'incroyable. Il y a une potion. Mais quelle potion? Celle qui transforme en enfant pour une heure. D'accord, allez, montre-moi ta potion. Beurre! Ah, merde, ça pue! Mais qu'est-ce que t'as acheté, Alina? Peut-être que c'est la boîte qui sent mauvais. Non, c'est la potion qui pue. Allez, bois cette potion toi-même! C'est impossible, elle pue la merde! Écoute, Bruno, en fait, je l'ai acheté pour toi. Alors, vas-y, bois! Je te remercie, Alina, mais je boirai pas une chose qui sent aussi mauvais! Mais si! Tout le monde veut rester enfant! Parce qu'être adulte, c'est toujours tellement fatigant! Vraiment! Il faut aller travailler! Alina! Faire des trucs d'adulte! Personne n'a envie de ça! Il vaut mieux être enfant! Tu comprends? Personne n'a envie d'être un enfant! Car c'est ennuyeux! Tout le monde veut devenir adulte! Je suis sûr que nos spectateurs, eux aussi, ils veulent devenir adultes! Parce qu'être un adulte, c'est cool! C'est à la mode! Ça kiffe, c'est génial! C'est justement ça! En quoi c'est la jeunesse? Les amis, il faut mettre les points sur les i et résoudre notre problème! Ce débat dans les commentaires! Bon, mes amis, écrivez dans les commentaires! Et là, c'est très important! Écoutez-moi bien! Celui qui répondra maintenant à ma question dans les commentaires, je lui mets un like en dessous de la vidéo! Voilà! Un like comme ça! Alors, les amis, répondez à la question. Les gars, vous voulez rester enfant ou bien devenir adulte? Et on verra qui est le plus nombreux. Et je like personnellement tous les commentaires. C'est ça, les amis vont décider ce qui est mieux, rester enfant ou grandir. Allez, bois ta potion. Bruno, c'est juste pour une heure quoi. Il est 3h du matin là. Et ça marche juste de 3h jusqu'à 4h. Bon, si tu ne veux pas, je boirai. Non, attends, arrête. Je veux pas que tu deviennes un enfant, Alina. Si on fait... si on fait cette vidéo, bah déjà toi, moi, le gamin, allez. Oh non. Je déconne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, ta potion ne marche pas. Bruno! En fait, ça va, j'ai juste la tête qui tourne un peu. C'est pas grave, Alina, ça m'arrive souvent, tu comprends? C'est tard, c'est pour ça que j'ai perdu l'équilibre. T'es sûr que ça va? Ouais, tout va bien. Regarde, je suis complètement adéquat. Tu vois? Regarde, au cas où, je t'ai préparé une sucette. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Parce que même quand j'étais à fort, j'étais comme Milk. Fort et indépendant. Alors reprends ta sucette, allez. J'ai envie de m'en servir maintenant pour te boucher la bouche. Mais t'es sûr que tu ne sens rien de nouveau? Non, tout est normal. Sauf que j'aimerais bien faire une petite sieste. Parce que la tête commence à tourner de plus en plus. Bon Bruno, viens, tu vas te reposer un peu mais tu ne dormiras pas. Il faut qu'on enregistre la vidéo. Ah bon, d'accord, allons-y. Allez. Bruno, il est temps de se lever. Ça fait assez longtemps, tu m'entends? Debout, Bruno Chou. Allez, lève-toi. Effectivement, ça marche. Voilà ce qu'on appelle un enfant Hulk trop cool, non? Il a pris sa tétine et s'est calmé. Allez, c'est parti, debout. Bruno, es-tu un chat ou un enfant? Les amis! Je vais manger! Tu as faim? Bruno, ne pleure pas! Non! Bon, Bruno, je vais te nourrir tout de suite. Viens là que je te prenne. Bruno!
Bruno. Il faut nourrir cet enfant, sinon il ne se calmera pas. Ouf. Heureusement que j'avais préparé à manger à l'avance. Comme ça, William Bruno n'aura pas faim. Je vais chercher à manger. Attends ici. Une cuillère. On y va. Mais dis-moi, où es-tu allé? Comment t'es monté là, d'ailleurs? Bruno, tu vas tomber et pleurer. Il est trop grand, je ne peux pas le... Bruno, Bruno! Bruno! L'avion vole dans la bouche. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est que tu es sale comme un cochon? Je suis sale. Bon, je vais chercher de l'eau. Et toi, tu ne bouges pas. Chiffon, chiffon, chiffon. Où est ce chiffon? Où est-il passé? Bruno! Bruno! Il ne pourra pas m'attraper. Bruno, tout va bien? Salut! C'est toi, Bruno? Ouais. Les amis, c'est vraiment incroyable! C'est un vrai enfant! Les amis, ça va chauffer. Sortez les extincteurs. Je vais apprendre à faire une rondade. Les amis, il parle comme William Bruno. C'est bien lui. Je me demandais toujours si c'était vrai que William Bruno disait qu'il était un enfant trop cool qui jouait qu'avec des voitures de course. Est-ce que c'est vrai, Bruno? Qu'est-ce que tu aimes? Les voitures. Et autre chose? Manger des crottes. Quoi? D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes d'autre? Détruire les méchants monstres. Je sais pas à quel point William Bruno était cool, mais le niveau d'étrangeté chez lui, c'est sûr. Il aimait manger des crottes depuis qu'il est petit. C'est dégoûtant. Écoute, Bruno, attends. Laisse-moi t'aider. Tu n'es visiblement pas à l'aise. Allez, les fois. Allez, on va jouer à quelque chose. À quoi tu veux jouer? Construire une cabane. Une cabane? Ouais. Oh non, je sais pas construire de cabane, moi. C'était William Bruno qui savait le faire. Et aussi, je raconte des histoires effrayantes. Des histoires effrayantes? Bon, si c'est ce que tu veux, d'accord. Mais d'abord, il faut construire la cabane. Alors, viens. Oh, wow! Bruno, regarde comme c'est trop bien réussi notre cabane. Carrément, j'ai apporté des bonbons. Bien joué. Donc, il y a des bonbons, des coussins, de la lumière, l'ambiance. Entre. Et aussi une lampe de poche. Et une lampe de poche. Alors, ça te plaît ici? Eh bien, ça va, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Je voudrais de nouveaux abonnés. Je n'ai pas d'abonnés. Mais je sais qui peut nous aider. Les spectateurs qui ne sont pas encore abonnés et qui ont le bouton s'abonner en rouge. Ils peuvent devenir nos nouveaux abonnés en cliquant simplement sur le bouton rouge pour le rendre gris. Est-ce que ça va aider? Bien sûr que ça va aider. Bah, je sais pas. Les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour que le petit Bruno ne soit pas si triste que ça. Bruno, abonne-toi. Voyons voir. Bruno, regarde. Les spectateurs commencent à s'abonner. On a réussi. Tu n'es plus triste maintenant? Oh, waouh, il y en a vraiment beaucoup qui se sont abonnés. Moi aussi, je suis très contente. Écoute, il faut dire aux spectateurs... Putain. Mais qu'est-ce que tu dis, Bruno? Qui t'a appris ce mot? Bruno, ce mot, oublie ce mot tout de suite. On doit pas parler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Bruno? D'abord, on va manger et après, on comptera des histoires effrayantes. Tu es sûr que tu veux écouter une histoire effrayante? Oui. Bruno, à ta place, je réfléchirai bien parce que après, tu n'arriveras plus à dormir. Si, je dormirai. Bon, si tu insistes, alors prépare-toi et écoute attentivement. Sur une sombre, sombre île, dans une sombre, sombre nuit, sous un sombre, sombre chêne, il y avait une sombre, sombre maison. Et dedans, il y avait une sombre, sombre table sur laquelle il y avait un cercueil noir comme la nuit. Et dans ce cercueil, il y avait... On dirait que je l'ai vraiment effrayé. Bruno, attends-moi. Où est-ce qu'il s'est encore fourré? Te voilà. Comment es-tu monté là-haut? On a peur, on est capable de faire n'importe quoi. Bruno, descends. Allez. J'ai peur. Tu as peur? Oui.
Désolée de t'avoir fait peur, mais c'est toi qui le voulais. Non. Non? Bon, bah descends. On va faire quelque chose ensemble. Allez, ça va marcher? Oups. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Bruno? Je veux voir ma maman. Mais on peut pas aller voir maman maintenant. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que je veux invoquer la terrifiante maman aux longues jambes. Écoute, mieux vaut ne pas faire ça. C'est dangereux. On ferait mieux de faire des choses plus cool. Allez, courons dans la grande salle. Les amis, il faut éviter cette invocation. Bruno, regarde ce que j'ai ici pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jouet super cool. Regarde. Regarde. Quoi? C'est même pas un Lego, ça. Il se comporte bizarrement ces derniers temps. Bon, peut-être qu'il n'aime pas vraiment les Legos. C'est moi qui me suis trompée. Je ne savais pas que Bruno était si capricieux quand il était enfant. Bruno, attends-moi! Salut les amis, moi c'est William Bruno et en fait maintenant je vais faire des pranks à Alina. J'ai repéré quelques trucs utiles dans le frigo. En fait, les gâteaux, je n'ai pas les manger, ils sont pour mes pranks. Ensuite, il y a de la gelée, ça va aussi me servir. Vous allez bientôt voir ce qui va se passer. Une serviette. Oh, aïe, Bruno! Bruno, c'est quoi ces blagues? Je t'ai piégé. Partout, tu t'es fait prendre. Bon, salut. Toi, Bruno, tu es vraiment un farceur, hein? Là, je suis énervée, les amis. Il faut que je me lave. Salut les amis, moi c'est William Bruno et aujourd'hui on tourne une vidéo incroyable. On peut appeler maman jambe longue jusqu'ici dans l'entrepôt. Je l'ai vue quelque part avec sa poupée. Ah oui, la voilà, puisqu'on sait tout ce que c'est une araignée, il faut l'embêter. Et en l'attrapant dans sa propre toile. On va l'imiter, on l'entourer et elle viendra sûrement. Regardez comme je l'ai bien emballée. Vous voyez? Après ça, elle devra arriver. Alors, on va lui faire une blague avec Alina. Allons-y. William, Bruno, je n'aurai pas assez de pulls pour toi. Non! Maman, jambe longue, viens. Maman, jambe longue, viens. Elle va venir pour toi et tu ne pourras pas t'enfuir avec tes petites jambes. De toute façon, je vais l'appeler pour lui faire une farce. Bruno, il ne faut pas faire ça parce que si maman jambes longues vient, tu ne pourras pas t'enfuir. Et de toute façon, c'est mieux de le faire quand tu seras grand. Bruno! William, Bruno, dans le miroir, t'es normal, mais dans la vie, t'es petit. Tu vois? Oui, je vois. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu tout petit, tout mignon. Oui, moi non plus. Incroyable! Maman, jambe longue est arrivée! Maman, jambe longue est arrivée! Oh, oui! Maman, jambe longue? Oui, 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 c'est elle! Attends, 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 attends. Il faut qu'on s'arme. Attends. Moi aussi, j'aurai une arme. Écoute, tiens, prends ça. Allons-y. Doucement, doucement. Et à trois, on ouvre. Un, deux, trois. Bonjour, vous avez commandé une pizza? Oui, on a commandé. On n'a rien commandé. Comment ça, vous n'avez rien commandé? Au nom de William Bruno? C'est moi, c'est moi. Eh bien, mon petit, voici ton pizza. Mais quand est-ce que tu as eu le temps de la commander, William Bruno? Je ne dirai pas. Tiens, William Bruno, bon appétit. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Allez. Allez, William Bruno, laisse-moi voir la pizza. Bon, premièrement, la pizza, ce n'est pas pour les enfants. Rends-moi la pizza. La pizza, ce n'est pas bon pour les enfants. Et puis, blablabla bla, bla, et blablabla. Bla, bla. T'as compris? Merde, il a pris ma pizza préférée. En fait, non, c'est ma pizza préférée. Bruno. Quoi? T'es encore gigantesque. Ah, vraiment? Je suis redevenu. C'est incroyable. T'as vu comme j'étais petit, Alina? Tu peux t'éloigner de moi avec ça, s'il te plaît? Aujourd'hui, ça m'a suffi déjà. Tu disais que c'était ta pizza préférée. Allez, bois à bout. Allez.
Les gars, je pense que c'était une vidéo très intéressante qu'il faut sûrement refaire. Je veux que la prochaine fois, Alina boive la potion aux enfants et devienne elle-même un enfant. On va faire ça, allez! J'en ai assez vu et j'ai décidé que je ne boirai pas ça et que je ne veux pas. J'ai vu une petite vidéo, mais on ne va pas la montrer aux autres. Écoute, Alina, je trouve ça pas loyal. Donc les amis, je sais de quelle vidéo Alina parle là. Je vous la montre spécialement. Allez, et la voilà! Regardez-la, mais elle est géniale! Non, j'ai honte! Non, dans la vidéo, Alina, c'est un peu ridiculisé, mais que veux-tu? Allez, voilà la vidéo, t'attends! Allez, salut!